Pourquoi? Tu veux quoi? Je voulais savoir si c'était toujours bon pour vendredi. Oui, pourquoi? T'as plus envie? Non, non. Si. Cool. Salut, c'était austère. Salut. Ça sent la cire? Hein? Bah si. Tu vas t'épiler? Bah tu peux le dire. Hein. Tu vas à Ken? Non. Juste pour prévenir, si tu l'as fait chauffer trop longtemps, tu risques de te brûler. Hein. Et ça va te faire mal, mais genre super mal. Qu'est-ce que t'en sais? Bah, c'est marrant, mais tu sais, moi aussi, je me suis déjà brûlé au niveau des testicules en quatrième avec de la cire. C'était avec Lisa, mon ex, enfin, la fille avec qui j'ai fait ma première fois. Et enfin, cette meuf était hyper chelou, tu vois, genre elle aimait trop expérimenter des trucs avec moi, et bah, elle voulait m'épiler le maillot, et elle m'a brûlé. Du coup, on l'a vraiment couché ensemble à la fin de l'année de quatrième. Genre, on l'a vraiment fait à la fin de l'année de quatrième, après l'atelier d'initiation à la vie sexuelle. Et on est parti chez moi et elle avait volé un préservatif féminin, tu sais, sur le stand. Et je me rappelle qu'on était super excités. Et elle me disait « Ouais, putain, je suis super excité ». Enfin, elle le disait clairement et elle me regardait. Et moi, j'étais en mode « Ouais, ouais, moi aussi, je suis super excité ». Et au bout d'un moment, la meuf, hyper autoritaire, elle me dit « Vas-y, rentre ». Elle fait « Rentre, rentre », tu vois. Et du coup, moi, je commence à m'exécuter et... Et je sais pas, mais ça a duré 2 secondes, mais c'était trop bien. Même enfin, le sang qu'il y avait entre nous, c'était crade, mais beau, tu vois. Je sais pas. Elle a eu mal. Mais t'inquiète pas, ça va aller. Non, mais c'est bon, je m'inquiète pas. Ouais, mais ça c'est rien, ça c'est juste du stress, ok? Tranquille, ça va passer. Hé, meuf, si t'as pas envie de ken, tu kennes pas, tu t'en ouf. Genre à tout moment tu te casses, à tout moment tu t'arrêtes, enfin, te mets pas à la presse comme ça. Et en vrai, si à un moment donné tu décides de le faire, bah le cul c'est un truc qui peut être très cool, enfin, qui va pas être stressant. C'est naturel. Mais pour moi, j'aime rien qui est naturel. Ok, bon. Je te raconte un truc. Moi, ma première fois, j'ai pas fait avec un mec, j'ai fait avec une copine. C'était en colo, j'avais 14 ans. C'était avec une meuf qui avait 2 ans de plus que moi. Elle s'appelait Dora. Une meuf trop cool. C'est le genre de meuf qui avait des mèches blondes, elle avait un tatou yin et yango aîné sur l'épaule, s'il te plaît. Enfin, tu sais, la meuf trop stylée avec qui t'as trop envie d'être copine. Et moi, elle m'avait choisie pour être copine. J'étais trop saucée. Et le grand truc de Dora pendant la colo, c'était qu'elle voulait absolument faire sa première fois. Genre, trouver un mec réglo avec qui faire sa première fois. Comme ça, bah après, elle était tranquille, elle était libre de le faire avec qui elle voulait sans se taper la honte. Et du coup, bah voilà, c'était le thème de la colo, faire sa première fois. Et je me souviens, il y avait une boum de milieu de colo, et Dora avait pécho Evan. Et elle était trop in love de Evan, et le seul problème, le grand drame, c'est que Evan avait déjà couché avec des meufs. Donc Dora était coincée, elle était genre, oh là là, mais comment je vais faire? Enfin, c'était le drame, quoi.
Et moi, j'étais là... peut-être qu'on peut nous le faire, nous, s'enfoncer des trucs entre nous. Parce que, bah, c'est vrai, enfin, genre, en vrai, t'as pas besoin d'un gars pour, genre, t'enfoncer des trucs, te toucher, te caresser, enfin, tu vois, tu peux très bien le faire toi-même, enfin... Et donc, du coup, un soir, on fait genre on est malade, et pour pas aller au dîner, et meuf, on se lance dans une mission, on était allé voler des concombres au réfectoire, on avait piqué aussi une brosse à cheveux à une meuf de la chambre d'à côté, et je sais pas, on prend un peu tous nos petits ustensiles comme ça, on va dans les douches communes, parce que c'était le seul endroit où il y avait personne, et on se fout là-bas, et juste, bah, je sais pas, on a commencé à... Au début, on s'enfonçait des doigts, on était assis côte à côte comme ça, on s'enfonçait des doigts. Et au bout d'un moment, on s'est dit, bon, bah, viens, on teste d'autres trucs. Donc, je sais pas, elle prend la brosse à cheveux, moi, je prends le concombre, on commence à se les enfoncer, tranquille, comme ça. Et en vrai, genre, tu vois, on choisissait le rythme, la profondeur, donc, enfin, tu vois, tout allait très bien, quoi. Je me dis souvent que si ça se trouve, on n'a pas tous le même goût. Enfin, pas vraiment pareil. Un peu plus salé, un peu plus amer ou... Tu vois. Je sais pas si tu sais, mais... En fait, le corps humain, eh ben, il brille dans le noir. Mais vu que nos yeux ils sont pas assez performants, et ben non, on peut pas le voir. Puis y a plein de choses qui nous échappent, mais bon, c'est pas grave. C'est deep. Mais en même temps, j'aime bien. J'aime bien l'info, on brille dans le noir.